Gerwani, c'est un ami, c'est un chirurgien maxillofacial. J'admire beaucoup ce qu'il fait, c'est Wahid Sid. Et puis lui, il avait pris contact avec moi, Mnin Kont au Canada, et puis Hdarna ensemble. Et ce qu'il a fait, il a fait ses propres recherches et il a fait un fellowship Bordeaux, Halifax, une région anglophone. Donc, on a mis le majeur de chez Adarlikum à l'expérience interro. Alors écoute, je vais essayer de faire vite. Alors par rapport à moi, j'étais résident en chirurgie maxillofaciale, d'accord? Et au Maroc, la chirurgie maxillofaciale, comme en France, comme dans les pays latins, est une spécialité médicale. Donc on fait un doctorat en médecine générale, et puis après on fait une spécialité en chirurgie maxillofaciale. Et pendant mon résidanat, j'ai eu la chance de passer par la Belgique plutôt que la France, avec un système qui est différent du système latin. Et donc, en Belgique, ils font médecine générale, puis ils font troisième année, quatrième année de médecine dentaire, et puis après, ils font de la chirurgie maxillofaciale. Et donc, mon stage, je l'ai fait dans un service, en fait, d'odontologie, si tu veux. Odontologie, chirurgie maxillofaciale, donc avec beaucoup de dentistes. Et j'ai beaucoup apprécié cette expérience, en fait. Et donc, quand j'ai fini ma spécialité, j'ai un contrat avec l'État. Donc, je suis parti à. J'ai été affecté à Oujda, où j'ai fait mes premiers pas en tant que, entre guillemets, chirurgien. Donc, j'ai commencé à opérer mes patients, à évoluer au fur et à mesure. Au bout de quasiment 2 ans, je sentais que je commençais à stagner. Au bout je suis déjà parti en Belgique et je nourrissais un peu dans. À l'arrière de ma tête, je nourrissais un peu peut-être l'espoir ou l'envie d'aller en Amérique du Nord, voir un petit peu comment les choses se passent. Et j'avais peut-être aussi envie d'un challenge, quelque chose de nouveau. Donc j'ai tenté en fait une expérience anglo-saxonne, anglophone. Et docteur Zahri Jabri tout à l'heure m'a beaucoup parlé Anna, personnellement parce que comment dire, t'as envie d'un challenge et puis la notion de mail, 100 mails auxquels j'ai eu 2 réponses, c'est exactement le taux de réponse que tu as en fait. Tu as sur 100 mails personnalisés, hein, machine des mails à la tout va, tu écris des mails pour chacun des départements auxquels tu envoies. De façon nominative, en motivant ta demande, et sur 100 mails, tu as 2 réponses, comment dire, 2 réponses encourageantes, mais positives, encourageantes. Et il faut les creuser. Alors, je me rappelle que je t'avais contacté à l'époque pour te demander ce que tu faisais au Canada et tout ça. Tu m'as dit, bon, je fais un fellowship et tout ça. Et en fait, il faudrait que tu te débrouilles. Hein. Donc moi, j'ai envoyé plein de mails. Les adresses, je ne les avais pas. Donc je suis rentré sur Internet, j'ai commencé à chercher. J'ai envoyé, pas qu'au Canada, j'ai envoyé en Australie. Donc j'ai eu une réponse à Melbourne, je me rappelle très bien de ça. Aucune réponse aux États-Unis. Enfin, j'ai eu des réponses, mais elles étaient toutes négatives. Et au Canada, j'ai eu une seule réponse qui disait contacter telle personne en envoyant une lettre de motivation, un CV. Et un point très important, les Bretons Colonna Slim Tibbeina, c'est à chaque fois que vous faites un stage particulier, que vous faites votre résidana, que vous sentez que c'est quelque chose d'important pour vous et que vous avez un bon feeling avec le patron, demandez des lettres de recommandation. Demandez à être recommandé. C'est très important parce que c'est ça en fait qui fait que vous allez être accepté ailleurs. Alors, Anna, quand j'étais en Belgique, j'avais demandé une lettre de recommandation de mon patron, que j'ai envoyé au Canada. Et Anna, je la fais très courte et très vite parce que, en fait, beaucoup ce sont des choses que j'ai vécues. Ça coûte cher, oui, ça coûte cher. Il faut persévérer, il faut être patient. Je ne vais pas revenir sur ça. Anna, tout simplement, je vais essayer de parler assez vite de mon expérience pour ne pas prendre trop de temps. J'avais envoyé alors ma demande. Et j'ai été mis en contact avec le directeur du programme de fellowship. Alors, au Canada, comme tu le sais très bien, Monsef, ils ont des programmes. Et donc, chaque hôpital, effectivement, est un hôpital d'État.
mais avec des comment dire, des départements d'indépendants, des pools. Donc chaque groupe de médecins va se mettre dans un pool, ils vont créer des sortes de petites cliniques à l'intérieur de l'hôpital et ils gèrent leurs finances eux-mêmes, ils gèrent leurs trucs. Alors notre, enfin, en chirurgie maxillofaciale, il y a au Canada, il y a 6 programmes en chirurgie maxillofaciale. Il y en a 4 qui offrent des postes de fellowship et je crois que chacun des programmes offre un poste. Et ça, ce sont des postes qui sont ouverts pour tout le monde. Donc il y a une concurrence entre des gens qui viennent du Canada, des États-Unis. Et aussi de l'international. Alors, c'est assez difficile de trouver un poste. Et donc, le gars, ce qu'il m'a dit quand j'ai été mis en contact avec lui, il m'a demandé de venir le visiter au Canada. Donc, il m'a dit, il faut venir nous visiter pour au moins 15 jours. Et personnellement, ça m'avait un petit peu. Alors, il m'avait répondu en février pour dire un petit peu comment les choses se passent. J'avais envoyé, je pense, en janvier. En février, il m'avait répondu. Et Anna, j'ai programmé ma visite en octobre. Pourquoi en octobre? Parce que je me suis renseigné par rapport à la neige, parce que j'ai pas de quoi me protéger contre la neige à moins 30 degrés. Mais je devais aussi améliorer mon anglais, parce que mon anglais était très moyen. Et il fallait aussi que je fasse des économies, parce qu'il faut payer un billet d'avion pour le Canada, il faut passer 15 jours, payer un Airbnb ou là, un hôtel et tout ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, entre-temps, j'ai pris des cours d'anglais et je suis parti visiter, en fait, j'ai pris un congé. Alors, et j'ai pris un congé administratif, je suis parti pour 21 jours. Alors, en fait, il m'a demandé 15 jours. Alors, c'est ça, en fait, il faut, comment dire, il faut montrer qu'on est motivé. Donc, pour 21 jours. Et je me rappelle très bien, quand je suis arrivé, je me suis demandé à mon arrivée, parce que bon, pour aller à Halifax, il fallait que je passe par Paris, puis par Bruxelles, et puis par Montréal, et puis Halifax. Donc c'était un voyage de 2 jours quasiment. Et quand je suis arrivé, mon anglais était très approximatif et je me demandais comment j'allais m'en sortir. J'ai eu la chance de me retrouver là-bas avec un chef résident palestinien. Tu vois les coïncidences. Et donc très vite, on a accroché. Et donc quand je suis arrivé, en fait, le directeur du fellowship, je ne l'ai pas vu. J'ai vu le chef résident parce que bon, j'étais fellow. Alors, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, le fellowship est une formation hyper spécialisée. En général, elle est hyper spécialisée. Elle est surtout post-spécialité. Donc, il faut être déjà formé et on vient pour opérer. On vient pas pour. Quand je parle d'un fellowship clinique, il y a des fellowships différents qui sont des fellowships de recherche où, en fait, à la base, on te dit, tu viens pour faire de la recherche, pas pour opérer. Mais dans notre cas, là, en tant que chirurgien, si c'est un fellowship chirurgical ou la clinique, donc tu viens pour opérer, donc tu dois avoir ton diplôme de spécialité. Et donc je suis parti. Attends, j'y viens, parce que là, c'était juste ma première visite pour 3 semaines. Donc là, c'est un congé administratif. Le ministère ne sait rien de cette histoire, d'accord? Et donc j'ai passé 3 semaines. Alors en 3 semaines, tu le sens très vite. Tu es sous. Big Brother is watching you. Tu es sous les feux de la rampe. Tu es exactement. Et tout le monde c'est un regard croisé en laser qui vient de tous les sens. Alors chez nous, c'était la visite commençait à 6 heures du matin. Il fallait être à l'hôpital à 6 heures du matin. Et je me rappelle que pour trouver un loyer pas cher, j'ai dû aller dans une autre ville qui est à côté. Donc c'est Dartmouth. Et donc il fallait se réveiller à 4 heures du matin, aller prendre le bus au plus tard à 4h45. Pour être au service à 6 heures du matin. Alors, une journée courte finit à 5 heures. Donc, de 6 heures du matin à 5 heures, c'est une journée courte. Mais il fallait montrer qu'on en veut. Hein. Il fallait mordre. Tu viens rasé, bien habillé, douché, parce que je ne sais pas pour ton hôpital, mais dans le mien, tu n'as pas le droit de mettre un parfum. Nous, c'est la Nous, cravate. c'est la cravate. C'est vrai? Non, chez nous, c'est la tenue de bloc. Mais tu n'avais pas le droit de mettre un parfum ou un déodorant. C'est un truc, c'est une, on avait ce qu'on appelait la no scent policy, donc pas d'odeur. Et donc, à 4 heures du matin, au plus tard, tu te réveilles à 4 heures du matin. Donc, tu sors la nuit et il fallait faire ça pendant 21 jours et on te challenge tous les jours. Alors, on le fait gentiment, mais on va te poser des questions. Mais à chaque fois, au Maroc, vous faites comment pour ça? Et tu dois un petit peu justifier ton attitude. Donc, il faut se préparer. Chaque jour, il faut aller lire.
Alors moi, j'ai eu, en faisant une petite visite avec eux, ils me parlaient d'un patient qui était infecté, tout ça. On parlait de big infection, huge, machin truc. Et là, je leur dis, côté infection, au Maroc, on est bien servi. Chez nous, ça, c'est pas une big infection. J'ai montré une photo d'un patient sur... Voilà, c'est ça, une big infection. Et les gars, ils étaient stupéfaits. Ils m'ont dit, écoute, t'as des cas comme ça? Je leur ai dit, écoutez, avant de partir, je vous fais une présentation. Et ils étaient excités par rapport à ça. Et donc, ils en ont parlé au patron du service. Et comme tu as dit, alors je reviens sur la chose que tu as dit tout à l'heure, le chef de service, il est élu. Et chez nous, c'était tous les 2 ans. Donc, c'est une ronde. Et le système est très clair. Tout le monde était payé de la même manière. Que tu aies 67 ans, que tu aies 35 ans, tu as le même salaire. Parce que tout l'argent qui vient de l'université, de la clinique, des consultations, du bloc opératoire, était mis dans un pot commun et divisé à part égale. Et donc voilà, j'étais challengé pendant les 21 jours et je me suis dit, écoute, il faut prendre le taureau par les cornes et y aller. Parce que ce sont des gens, les Nord-Américains sont des gens qui sont hyper confiants. Alors, ce sont des gens qui dégagent de la confiance, c'est incroyable. Le gars, il est jeune, il vient à peine de commencer sa médecine. Et il te parle en te regardant dans les yeux avec beaucoup de confiance. Et voilà. Et donc, je me suis dit, j'ai dit au résident, je vais vous faire une présentation. Et donc, j'ai fait ma présentation. J'ai fait une présentation d'1 heure en anglais. D'accord? J'ai présenté mes cas, ce que je faisais. Alors, comme j'ai dit au début, la chirurgie maxillofaciale, il faut la voir dans les pays latins et les pays nord-américains ou là, anglo-saxons comme le football. Il y a le football latin et le football américain. Et ce n'est pas la même chose. Il y a des choses où on se chevauche, mais ce n'est pas la même chose. Parce que eux, ils ont une formation dentaire qui est axée sur tout ce qui est chirurgie dentaire et mâchoire. Et nous, c'est plutôt une chirurgie. Au Maroc, on fait beaucoup plus de la chirurgie plastique de la face. J'avais parlé du fait que j'étais passé d'abord en Belgique et que ça m'avait moins intéressé parce que le système belge, je ne suis pas le système français. Et donc, il est plus proche du système nord-américain, donc j'avais envie d'en savoir plus, d'une part. Et d'autre part, le fait d'être passé par des hôpitaux, on va dire, réputés, fait que tu as une recommandation qui est beaucoup plus facilement acceptable en Amérique du Nord. Donc, pour les gens qui veulent partir au Canada ou là aux États-Unis, je recommande vivement qu'ils aient un passage dans un hôpital européen où ils auront des recommandations qui peuvent leur permettre d'y aller et j'insiste sur les recommandations, même au Maroc. Il faut demander des recommandations, même au Maroc. C'est-à-dire que vous faites un stage chez quelqu'un, si vous pensez pouvoir demander une recommandation, faites-le. Matchemchi, il faut vraiment y aller et ou y demander, si vraiment tu sens que le feeling est bien passé avec un prof ou un chef de service, ou là que tu as fait des stages, je sais pas. Tu as fait du bénévolat, tu as fait des stages pendant l'été, tu es parti dans un hôpital en Turquie, demande une lettre de recommandation. Elle n'est pas censée être forcément, comment dire, complaisante. Il faudrait qu'elle soit juste et qu'elle parle de tes qualités, de comment est-ce que le gars a ressenti, ou la personne a ressenti ta présence parmi eux. C'est important. Parce que je pense qu'en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Alors, hein? C'est sûr, c'est sûr. Et je reviendrai sur ça, sur la lettre de recommandation tout à l'heure, pour dire un petit peu l'importance de la chose, du moins dans mon expérience au Canada. Alors, je suis parti, j'ai passé, alors j'avais écrit au bonhomme, il m'avait demandé de venir, je suis parti pour une interview en fait. C'est une interview de 21 jours, carrément. C'est un entretien de 21 jours, où tous les jours, je vais aller au bloc, je vais en consultation et on va te juger. Sur comment tu es sur le plan éthique, sur le plan teamwork, sur le plan scientifique et plein de trucs comme ça. Discrétion. Docteur, il a parlé d'un truc tout à l'heure, l'ego. L'ego n'existe pas en Amérique du Nord. Dans un hôpital, on est là pour. On est des prestataires de service. On est là pour servir le patient. Mais l'attitude du patient, l'attitude d'hier. C'est-à-dire, le patient, déjà, lui, compte très désagréable, Mac. Si tu réagis, tu as perdu. Tu auras un procès et tu seras viré. Il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Alors, pour revenir à l'anglais médical, donc j'ai passé. Alors, initialement, j'étais vraiment dans la difficulté. Le premier jour, j'étais dans la difficulté avec l'anglais. Mais comme j'ai trouvé ce gars qui était chef résident, qui était en sixième année, qui était palestinien, et avec lui, il m'a mis en confiance et tout ça. Donc le soir, j'ai rencontré le directeur du programme et on a eu un entretien de 15 minutes en anglais. Et là, il me dit, ton anglais est très bien, parce que ce sont des gens qui ne jugent pas sur l'accent ou le moyen tifem. Et je lui ai dit, écoutez, c'est la première fois que je suis dans un pays anglophone où je dois parler anglais et je me surprends. Il m'a dit, non, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai participé à toutes les activités en tant qu'observeur avec eux pendant les 3 semaines. Et à la fin, je suis allé voir le directeur du programme de fellowship. Je lui ai dit, écoutez, alors je suis prêt à tout pour venir. Franchement, là, je suis prêt à laisser tomber mon travail, à tout, parce que ce que j'ai vu là-bas m'a tellement impressionné. Et en fait, c'est un service qui fait un très gros volume en chirurgie orthognathique. La chirurgie orthognathique, c'est quoi? Ortho, c'est normal. Et gnathique, c'est les mâchoires. Donc, c'est une chirurgie de repositionnement des mâchoires. Et c'est quelque chose qui est très, très peu développé au Maroc ou là, quasiment pas développé au Maroc. Il y a très peu de gens qui en font. Il y en a encore moins qui comprennent ce qu'ils font. Je le dis clairement et sincèrement. Et donc, TMAC, c'est une école. C'est l'un des plus gros volumes en Amérique du Nord, voire dans le monde. Et la manière dont ils opèrent ces gens-là, c'est juste fabuleux, c'est tellement simplifié. Et je suis allé voir le patron, je lui ai dit, je veux revenir. Il a commencé à rigoler, il m'a dit, écoute, j'adore ton mindset, mais ça ne dépend pas que de moi. Alors ma présentation, oui, quelqu'un demande ta présentation. Ma présentation, c'était un truc, j'ai présenté mes cas, avec une partie pédagogique pour les études, pour les résidents. Et comme ma présentation était sur des choses que eux ne font pas, ils étaient impressionnés. Donc, par exemple, moi, je fais de la chirurgie de la parotide, par exemple, où on dissèque le nerf facial et tout ça. Eux, ça les impressionne. Alors que nous, l'orthognathique nous impressionne. Donc, il y a une. C'est pour ça que je te dis que c'est comme le football, en fait. Football américain, football latin, ce sont deux choses différentes, mais qui se chevauchent dans le ballon. Ben voilà, c'est un peu ça. Et alors, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien te recevoir, mais ça ne dépend pas que de moi. Nous sommes 5 personnes dans le staff et ça se vote à main levée et tu n'es pas le seul candidat. Très bien, donc je suis rentré au Maroc, j'ai repris mon service et tout ça. Alors ça s'est passé en octobre. En janvier, donc, tu vois le process, hein, ça a duré 1 an pour avoir une acceptation. En janvier, il m'envoie un mail, je m'en rappelle très bien, je me suis réveillé à 3 h du matin parce que le téléphone a bipé et je vois son mail et je réponds immédiatement. Il me dit, je suis désolé, je m'y suis pris tard pour t'envoyer, parce qu'en général, ils envoient avant Noël, mais on veut te prendre. On a besoin d'une réponse très vite parce qu'on n'a pas de délai. Et en fait, je voulais m'assurer qu'en tant que médecin non dentiste, donc médecin de formation généraliste, je voulais m'assurer que tu avais le droit de venir faire ton fellowship chez nous. Parce que les maxillofaciaux au Canada sont des dentistes de formation. Alors, une fois qu'ils sont dentistes, ils vont passer un résident. Tu as dit tout à l'heure à Dr. Monsef, là, la radiologie, écoute, en tant que dentiste, tu peux faire, au Canada, tu peux faire la radiologie, tu peux faire l'anapath et tu peux faire l'anesthésiologie. Il y a des spécialités dentaires dans les firmes, la radiologie, donc c'est la radiologie cervico-faciale, il y a l'anapath cervico-faciale et il y a l'anesthésiologie qui peut faire tout quasiment. Oh. Et donc. Pour les maxillofaciaux, ils font. Pour les gens qui ont demandé tout à l'heure le bac. Alors, pour partir faire médecine, la médecine dentaire, juste après le bac, il faut passer par le collège. Parce qu'ils n'ont pas d'acceptation directe en faculté de médecine. Et donc, tu passes 3 à 4 ans au collège, en post-bac. Et c'est là où tu apprends en fait les bases de la science. Tu as des majors que tu dois choisir en sciences humaines, machin truc et tout ça. Et il faut en même temps vraiment développer son CV dans tout ce qui est humanitaire, dans tout ce qui est associatif, le sport, comme tu as dit tout à l'heure. Moi, le sport m'a beaucoup servi. Alors, quand j'envoie mon CV, je dis que j'étais nageur de compétition avant et tout ça. Ils me l'ont dit d'ailleurs, hein, ils me l'ont dit après. Et d'ailleurs, quand tu es arrivé dans le service, tous étaient de grands sportifs. Le directeur du programme était un hockeyeur, il est entraîneur d'une équipe féminine de hockey. Je pense qu'ils ont eu même une dame qui est partie faire les JO, les derniers JO hockey sur glace. Et donc voilà, pour les étudiants, il faut passer par le collège et après tu es accepté en faculté de médecine, la faculté de médecine dentaire. Et une fois que tu as fini,
Donc pour les dentistes, une fois que tu as fini, tu peux choisir, tu choisis ta spécialité selon le matching, il y a docteur Jabiri. Donc tu classes les universités, tu classes la spécialité, et puis les universités voient ton dossier, ils te classent aussi, et après si tu matches, ils te prennent. Et pour la maxillofaciale, c'est très particulier. Pourquoi? Parce que avant, tu passais directement médecin dentiste à résident chirurgie maxillofaciale, tu avais un programme de 4 ans. Et c'est l'équivalent au Maroc de la chirurgie buccale. D'accord? C'est une spécialité dentaire. Donc ils font tout ce qui est implantologie, dents chirurgicales et tout ça. Mais d'abord, depuis quelques temps, le Canada a commencé à implémenter un programme de 6 ans. Et ils appellent ça un dual degree. Et donc en 6 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu as fini ta médecine dentaire, tu rentres en tant que résident en chirurgie maxillofaciale, mais en même temps, tu fais ta médecine générale. Et donc, par exemple, en première année, la première année, tu la passes à faire de la chirurgie buccale. Deuxième année, troisième année, quatrième année, tu les passes en faculté de médecine à faire de la cardiologie. Ils font beaucoup d'anesthésiologie. Donc, ce sont de très bons anesthésistes, les chirurgiens maxillofaciaux. Donc, ils font, je pense, 6 mois, mais un 6 mois très intensif en anesthésio, où ils ont beaucoup de responsabilités. Donc, ils intubent bien, ils réaniment bien. Et pendant la deuxième année, troisième année, quatrième année, ils font des demi-journées à l'hôpital pour faire de la maxillo et ils font les gardes. En cinquième année, sixième année, c'est du plein temps à l'hôpital à ne faire que de la chirurgie maxillofaciale. Et dans notre cas, c'était beaucoup de chirurgie orthognathique. Alors en cinquième année, sixième année, à la fin de ces 2 années, le résident en chef aura fait quelque chose comme 400-500 cas d'orthognathique, qui est énorme. C'est Tunis peut-être, ou c'est une chirurgie qui est très banale, alors que pour nous c'est encore vraiment embryonnaire. Et donc à la fin ils finissent avec un doctorat en médecine dentaire, un doctorat en médecine générale et un diplôme de chirurgien maxillofacial. Donc dans mon cas à moi c'était très particulier parce que je suis médecin de formation, je ne suis pas dentiste. J'ai fait valoir mon stage en Belgique dans un service de dentisterie et tout ça. Je suis allé les voir. Donc, quand j'ai eu mon acceptation, un akibda outeni wahed pour pouvoir partir. Parce que tu as ton acceptation, comme tu as dit tout à l'heure. Alors, c'est une acceptation qui est officielle. Donc, c'est une lettre officielle qui répond à l'acte, je ne sais pas lequel, je ne me rappelle plus lequel, des métiers et travaux réglementés, machin truc et tout ça, avec une offre de bourse. D'accord? Elle est stipulé très clair. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, tu ne peux pas faire de fellowship avec tes fonds propres, c'est impossible. Alors, tu dois être soutenu soit par un organisme non gouvernemental, soit par ton gouvernement, et surtout pour les pays du Golfe, le Koweït, tu vois, qui est le gouvernement, soit le programme qui te reçoit doit pouvoir t'offrir une bourse. Donc, il t'envoie cette lettre à toi et il l'envoie aux autorités aussi pour qu'ils puissent faciliter la tâche. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? On te demande de t'inscrire au Conseil médical du Canada, inscriptmed.ca, je pense. Et tu as toute une procédure de vérification de ton diplôme. Donc, tes diplômes vont être vérifiés par le GMFE, si je me rappelle bien. C'est un organisme nord-américain qui est aux États-Unis, qui va contacter ta fac et voir si vraiment tes diplômes sont à toi. Et la fac doit répondre, parce que la fac, pour moi, j'ai galéré, j'étais à Oujda, je devais faire des allers-retours à chaque fois pour aller voir la fac, s'ils ont reçu le courrier, s'ils l'ont rempli et tout ça. Donc ils ont dû l'envoyer 3 ou 4 fois du Canada pour que ça passe. On te demande de faire alors c'était quoi? C'était un truc de quasi-judiciaire dans tous les pays où tu as vécu. Et c'est pas le, tu peux pas le ramener à un casier judiciaire marocain, c'est une entreprise canadienne. Bon, tu payes, ça coûte très cher. Dans mon cas, on m'a demandé bien sûr un niveau d'anglais. Alors, au Canada en général, ils préfèrent l'IELTS, mais moi, alors je suis à Oujda, il y a le centre américain, on n'a pas de British Council. Et pour passer l'IELTS, il faut descendre à Rabat et les rendez-vous étaient très loin. Pour passer le TOEFL, je devais descendre à Fès. Donc, c'était un peu plus facile pour moi. Donc, j'ai insisté pour le TOEFL. Mais le score est très élevé qu'il demande. Il demande 94 ou la 97, je pense, sur 120. Donc vraiment, c'est un score qui est élevé. J'étais pas sûr de l'avoir, franchement. Écoute, Jablah, tu sais, j'ai bûché aussi. Hein. Imagine que quand je rentrais au bloc opératoire faire des interventions de 4 heures,
J'avais mes écouteurs avec des histoires d'anglais. Oh là, oh là, oh là, j'étais branché sur la CBC ou n'importe quoi, alors que je faisais mon geste chirurgical. Donc j'avais une oreille qui était en anglais, l'autre oreille qui écoutait mon assistante et les gens autour. Et voilà. Donc c'était ça, mais Jablati, c'est Alhamdoulilah. Alors, dès que j'ai passé. Alors pour moi, c'était ça, en fait. Ça bloquait sur l'anglais, peut-être. J'avais complètement oublié l'autre blocage qui était celui de l'administration marocaine. Parce que, en tant que Contractuel. fonctionnaire contractuel, j'avais fait 2 ans et j'ai demandé à Anna une mise en disponibilité pour des raisons de principe, Anna, pour moi particulièrement. Et parce qu'en même temps, Zama, sur un plan pragmatique, j'avais pas envie de reconduire mon contrat de 8 ans et tout ça. Donc voilà. Et ma demande a bugué 4 fois. J'ai dû me bagarrer avec le directeur régional à la fin parce que c'était carrément. Écoutez, je vais quitter, je vais vous laisser tomber, vous vous débrouillez. Moi, je vous informe que je vais quitter. Trouvez-vous quelqu'un d'autre parce que c'est pas possible. Il m'a dit, tu n'auras plus le droit d'exercer au Maroc. Je lui ai dit, Haka, comme ça. Je me rappelle très bien de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez, et j'ai une offre à Manchester United. D'accord? S'il faut aller coller sur le banc de touche à Manchester United pendant 1 an, je vais aller le faire. Et après, s'il faut arrêter le foot, j'arrête le foot. C'est vraiment exactement ça ce que je lui ai dit. Et malheureusement, je dois l'avouer, parce qu'autrement, ça ne marchait pas. À la dernière minute, il y a quelqu'un que je. C'est un ami. Je lui ai raconté ma situation. Il m'a dit, écoute, je connais peut-être quelqu'un qui va te régler le problème. Et écoute, la personne a, je crois, réglé le problème parce que finalement, j'ai eu mon accord. Alors, j'ai eu mon accord au Maroc, mais j'avais encore rien du Canada. Donc, j'avais ma vérification de diplôme qui avait déjà été faite, mon diplôme d'anglais qui était déjà fait, mais j'avais rien du Canada. Et ce que j'ai fait, je me rappelle très bien de ça, j'avais pris mon congé administratif, donc mon mois de congé, c'était en mois de juin. Alors, le fellowship commence en juillet, 1er juillet. J'avais pris mon mois de juin, j'avais quitté mon loyer. J'avais dit au revoir aux gens et je suis descendu à Rabat et j'attendais en fait d'avoir mon accord canadien. Alors, Anna, j'étais. Alors, à l'époque, j'étais marié et papa d'un enfant. Donc, on allait tous les trois au Canada. Ah, c'était pas évident. Et donc, pour les billets, pour que ça me coûte moins cher, je répartissais mon billet. Alors, Rabat-Paris, c'est un billet et Paris-Halifax, c'est un autre billet. Parce que autrement, si je payais de Rabat à Halifax, ça me coûtait à l'époque plus cher. C'était le calcul que j'avais fait. Et donc j'avais un billet pour Paris. Je devais passer 2 nuits à Paris chez les gens de la famille. Et après partir. Je devais passer plus que 2 nuits actuellement. Je devais passer 5 nuits, exactement. Et au seul le premier billet, le jour du premier billet, j'ai encore rien reçu du Canada. Et là, donc je vais aller à l'ambassade, je les enquiquine. J'envoie un mail. Et écoute. L'avant-veille de mon départ, de Paris, hein, du deuxième billet qui est le plus coûteux, je reçois un mail qui me dit, vous venez, vous déposez vos documents. Donc, on dépose nos documents. La veille du départ, je me rappelle très bien, c'était Ramadan et c'était vers 4 heures de l'après-midi, un jeudi. On récupère nos permis de travail et nos visas et on va directement faire nos valises. On achète des billets pour Paris. Et la famille, on va les voir le lendemain à 6 h du matin à l'aéroport pour leur dire au revoir parce qu'on n'avait pas le temps de le faire en fait. Et donc, vraiment, on était parti. Là, on est parti en kamikaze, mais c'était joyeux hein, avec un gamin de 3 ans à l'époque. Et c'était voilà, c'était ça. Et le voyage dure, je sais plus, 26 heures. Le petit, on a eu 3 vols. Le petit était claqué à la fin quand on est arrivé. Alors j'avais loué dans une cité universitaire pendant quelques jours en attendant de voir les choses. Et non, c'est le stress aussi, il s'est maintenu ici parce que bon, je suis allé voir le département et voilà et tout ça. Mais on te paye pas le premier mois, on te paye à la fin du premier mois. Donc tu pars là-bas pendant 45. Alors je suis parti, je me rappelle très bien, je suis parti le 18 juin et je n'allais être payé que fin juillet parce que j'allais finir mon mois en fin juillet. Et voilà, et donc il faut, côté finance, il faut vraiment faire attention parce que ça coûte très cher. Alors, avec ma femme et mon fils, la procédure et les billets au Alexis Kamel ont dû me coûter quelque chose comme 20 000 dollars. C'est-à-dire que j'ai vendu ma voiture et. Est-ce que ta femme est un peu plus là-bas?
Là, alors ma femme, non, ma femme, elle a eu, elle a pu négocier sur place, parce que c'est ça en fait, ça prend beaucoup de temps pour avoir un accord. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un accord, mais pas elle, dans les délais. Donc elle a eu un accord pour après, mais ça traînait. Et donc finalement, elle a pu négocier un observership, donc en tant qu'observeur. Et pour ça, tu payes aussi. Hein. Pour l'observership, tu payes 1 000 $ pour être. Alors en maxillofacial, j'ai pas payé. Alors, pour ma première visite en tant qu'observeur, j'ai pas payé parce que c'est chez les dentistes. Mais chez les médecins, tu payes 1 000 $ parce que c'est pas le même ordre des médecins. Tu vois? Et Anna, ma situation était très particulière aussi parce que quelque part, l'assurance maladie a refusé de l'assurance plutôt professionnelle a refusé de me couvrir parce que ils ont dit c'est une assurance pour les médecins, mais ils ont dit tu vas travailler dans un service dentaire et on ne te couvre pas pour les actes dentaires. Et donc mon patron, parce que ça va tenir les patrons de Max, c'est très particulier. Mon patron a envoyé une lettre de 2 pages où il justifie. Il leur dit, alors quand on reçoit des gens, des ORL qui viennent faire des stages chez nous pendant 1 mois ou là, comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils sont couverts ou pas? Donc tu vois, il a bien argumenté sa lettre, une lettre de 2 pages qu'il m'a envoyée aussi. Et c'est que vraiment, il voulait m'offrir ma chance, tu vois. Et il y a ça. Il y a le conseil médical, le collège, College of Physicians and Surgeons. Alors, moi, je devais passer par le conseil médical, mais je suis par le conseil dentaire. Donc, c'est des procédures très différentes et tout ça. Donc, voilà. Mais pour eux, même pour le département, alors, moi, quand je suis arrivé, je suis allé voir l'administrateur, je l'ai remercié, parce que je lui ai dit, écoutez, franchement, c'était un casse-tête pour vous. Elle était. Non, elle m'a dit, écoute, c'est un apprentissage. Première fois qu'on reçoit quelqu'un d'un pays comme le tien, première fois qu'on reçoit quelqu'un. Qui est médecin, pas dentiste. Et donc, ça va ouvrir peut-être la porte pour d'autres personnes après. Et donc, alors, Schnuggel total ou moins, là, 1 000 $ en total pour l'observership, c'est 1 000 $. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant, vous voulez trouver un stage pour CF ou le Shehaja, il y a une procédure, mais vous payez 1 000 $. Mais simplement, là, pour rebondir à la chose, entre prendre le premier loyer, les billets d'avion, toute la procédure et tout ça, ça m'a coûté à peu près 20 000 $ canadiens, l'équivalent de 140 000 dirhams ou 160 000 dirhams marocains. Donc, il faut savoir que c'est très coûteux, mais franchement, je ne regrette pas parce que c'est une très très belle expérience. Alors, J'aurais bien aimé parler avec toi, tu vois. oui, non, mais ouais, je comprends. Alors, Anna, mon fellowship a duré 1 an, contrairement à mon CEF, et les termes étaient très clairs à la base. Le programme, il te dit, écoutez, on a des fonds, sont des donateurs, on essaie de former le maximum de gens. Et Anna Mnimchit, quand je suis rentré, ils avaient déjà l'accord pour celui qui allait venir avant, après moi. C'est une Américaine qui venait de San Francisco. Et voilà. Alors, autre chose, c'est qu'il faut avoir tes privilèges pour le bloc opératoire. Et ça, c'est pas donné. Parce que, Anna, en tant que Marocain, pour avoir mes privilèges, j'ai pas mal galéré. Donc, au début, même en tant que fellow, j'ai observé pendant 1 mois et demi. Et après, on a commencé à me donner des privilèges. Comment dire? L'administration, elle ne te fait pas confiance quand tu ne viens pas du système. Et donc, je devais avoir des privilèges non-stop, c'est-à-dire restrictifs sur l'année, mais machi entrecoupés. Mais j'ai finalement eu des privilèges de 6 semaines qui se renouvelaient. Donc, la dernière semaine de chaque 6 semaines, on me redonnait les privilèges à Outiani parce que entre-temps, ça se passait bien. J'avais il y avait de bons retours par rapport à mes patrons et tout ça. Et donc voilà, pour la chose, il faut faire attention à Mac avec, c'est-à-dire si vous allez là-bas et que l'idéal c'est d'y aller, quelle que soit la procédure que vous voulez faire, l'idéal c'est d'y aller avant et de visiter le département et d'avoir des contacts. Et là, il faut faire très attention. Je dis là qu'un terrain de foot fait 100 mètres, le centre au mètre, le chemin de centre. Il faut vraiment faire attention. Je vais vous raconter l'histoire très très rapide. Une dentiste qui venait pour postuler pour le poste de résident. Alors, notre département, il offre un poste de fellow et un poste de résident par an. Et il y a full. C'est-à-dire qu'on recevait tout le temps des gens pour visiter, pour le poste. Et donc, ils visitaient et après, on les appelait pour des interviews. Et c'est toute une procédure. Et la jeune a dit, elle était extraordinaire. Elle était excellente sur tous les plans.
tous les jours à 6 h du matin. On a rarement vu quelqu'un, donc les dentistes qui jouent, et qui venait tous les jours à la visite à temps. Elle était tout le temps à temps. Et un peu d'excès de zèle, elle est restée. Alors le vendredi, elle a fini à 5 h, elle devait partir chez elle. Elle est restée avec nous au bloc opératoire des urgences. Et on devait faire un cas, c'est un gars qui s'est complètement amoché la figure, d'accord? Il est d'origine égyptienne et avec un nom très commun. Donc il avait quasiment deux prénoms, le nom et le prénom, c'était deux prénoms, si tu veux, genre Mohamed Ahmed ou un truc comme ça. Et on n'arrivait pas à voir ce qu'on voulait. Donc on s'est dit que peut-être que à la base, son squelette n'était pas, sa mâchoire n'était pas en bonne position. Et il y a un certain moment, elle nous dit, regardez sa photo. Elle nous sort une photo du gars. Donc, on était un peu perturbés. Elle a passé la semaine avec nous, on lui faisait confiance. Elle a vraiment montré beaucoup de qualité. Et donc, on a commencé à galérer pendant 1 h 30 encore pour essayer d'avoir ce qu'elle nous montrait. C'était impossible. Le squelette n'allait pas dans ce sens. Et moi, tu sais, docteur Jabiloua, tu apprends à la fermer là-bas. Tu la ramènes pas beaucoup. Hein. Tu apprends à écouter. À écouter, d'accord? À analyser et tu ne la ramènes que quand vraiment, et voilà, travailler, 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 et tu ne la ramènes que quand vraiment tu maîtrises, tu es sûr. Et donc, Anna, j'avais un doute. À la fin de l'intervention, le patron est sorti, il y avait avec moi un résident, et je lui ai dit, écoute, c'est pas le gars qu'elle nous a montré, c'est impossible. Et là, je comprends qu'elle nous sort une photo des réseaux sociaux, Facebook. Et là, je lui ai dit, mince, ok. Et il y avait une centaine de gars qui avaient le même nom. Et je lui dis, alors scroll, au bout du, je sais pas, 60e, je lui montre le gars. Et ça correspondait vraiment. Et là, le résident, il me dit un truc. Il me dit, écoute, ne le dis pas, s'il te plaît, ne le dis pas au patron parce que ça risque de dégénérer. Et le lendemain, on avait une réception. Alors je rencontre le patron, il me dit, tu te rends compte, la meuf hier, elle nous a menés en bateau, machin truc et tout ça. Et là, donc il a eu l'information. Et alors ça s'est passé là, samedi. Le lundi, mon patron à moi, qui est le directeur du programme de fellowship, j'opère avec lui, il opère le lundi. Je lui ai dit, Chad, voilà là. Moi j'avais un peu de mal pour cette jeune dame. Je lui ai dit, Chad, elle est excellente cette fille. Elle est vraiment excellente sur tous les plans. On n'a jamais eu quelqu'un d'aussi bon. Est-ce que tu penses que ce truc-là l'a grillée? Il m'a dit, no way, elle ne sera admise dans aucun programme avec lequel nous avons une relation. Je lui dis pourquoi? Il me dit oui, je l'aime bien, mais quand on fait des trucs comme ça, on n'est pas fiable, on n'est pas reliable et no way, elle sera jamais prise. Il y a des limites Des rouges limites qu'il ne faut rouges pas qu'il ne faut dépasser. pas dépasser. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est, j'insiste sur ça pour que les gens qui vont visiter, qu'ils fassent vraiment très attention. Alors, tu veux que je parle de quoi? Les dentistes. Attends, les dentistes, très vite. Parce qu'il y a des Exactement. dentistes qui nous Exactement. écoutent. Comme Ouais. ça, Ok, super. Alors pour les dentistes, Anna, personnellement, je n'ai pas personnellement mchit avec l'idée de revenir parce que d'abord j'ai un contrat et que avec la zéro et qu'il faut payer des sommes astronomiques et que tu une dette publique et le après la loi qui est passée en 2017, je crois, ou la 2016. Une autre raison, c'est que je me sens utile ici et que j'ai ma famille et oui, mais je voulais rentrer là-bas. Mais j'ai rencontré des gens de Mac qui ont fait le choix de partir au Canada pour pratiquer la dentisterie là-bas. Et j'ai rencontré deux types de personnes. Alors, il y en a qui sont des dentistes qui vont aller faire leurs examens d'équivalence. Je ne peux pas vous en parler beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de notions là-dessus. Ils font leurs examens d'équivalence et après, ils intègrent un cabinet dentaire et ils travaillent. Et la dentisterie là-bas est privée, à la différence de tout ce qui est médecine. La médecine se fait dans les hôpitaux, la dentisterie se fait dans les cabinets privés. Et il y a d'autres personnes qui ont choisi plutôt de passer par la voie de l'université. Alors, la différence, c'est que l'université coûte très cher, en dentisterie encore plus qu'en médecine. Vraiment, ça coûte. C'est-à-dire, les 5 ans, les 6 ans de médecine dentaire coûtent aux environs, je crois, je ne veux pas me dire n'importe quoi, mais aux environs de 500 000 dollars. Donc, c'est énormément d'argent. Mais ça rapporte aussi beaucoup. Les dentistes sont, je pense, les mieux payés au Canada, ça d'une part. Mais d'un autre côté, quand tu es passé par la faculté de médecine dentaire, que tu as un diplôme canadien, tu te fais embaucher beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens, ils veulent quelqu'un d'opérationnel, ils veulent quelqu'un qui a baigné dans la culture médicale et dentaire du Canada.
Et ça, tu le sens quand tu viens du Maroc, maintenant je viens du Maroc. En plus de la langue qui était pas toujours évidente, surtout au bloc, on te demande un truc, on te demande en argot canadien de la Nouvelle-Écosse. Et toi, tu as deux options, tu te dis soit ça, soit ça. Et bon, c'est pas évident, mais en plus de ça, tu n'as pas baigné dans la culture médicale du Canada, donc tu es beaucoup plus à risque. Et beaucoup de gens, beaucoup de dentistes qui viennent, surtout les Indiens qui sont brillants, qui viennent et qui passent leur équivalence, beaucoup perdent leur licence d'exercice la première année d'élan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas baigné dans la culture médicale ou la dentaire du Canada et qu'ils ratent un papier ou des fois dans la communication, un truc qui passe mal. Et à ce moment-là, ils se cassent la gueule et tous leurs efforts en fait tombent à l'eau. Donc Anna, personnellement, je dirais, il faut tenter peut-être l'université. Alors j'ai rencontré là-bas un gars qui était professeur universitaire en Égypte, qui avait 55 ans. Parce que moi j'étais fellow. Alors fellow, c'est entre résident et staff. Et j'étais aussi appelé à surveiller les examens, à encadrer donc les étudiants et tout ça, surveiller les examens. Et donc j'encadrais ce monsieur-là qui était professeur universitaire en médecine dentaire dans son pays, l'Égypte, qui était un brillant gars et qui m'avait raconté un petit peu son histoire. Il avait 55 ans et s'il est parti au Canada, c'est parce que sa famille était installée là-bas. Il faisait des allers-retours, mais du jour au lendemain, la monnaie égyptienne s'est crashée. Il n'avait plus les moyens de faire ça. Donc, il a choisi d'aller au Canada. Il s'y est pris à trois reprises pour qu'il soit accepté parce que le nombre de postes clés, bzzaf. D'accord? Et voilà, mais c'est très galère. Hein. Je veux dire, l'université, c'est galère, mais c'est un excellent apprentissage. Le niveau est très, très élevé. Parce que leurs étudiants passent par le collège, donc ils ont des bases scientifiques très fortes. Ce sont des gens qui sont capables de faire de la recherche scientifique, qui sont capables de démonter un article. Franchement, j'étais impressionné par les résidents de première année, qui étaient à un niveau. Alors, tu les dépasses sur le niveau chirurgical, mais sur le plan scientifique, sur le plan sciences de base, anatomie et tout ça, ils étaient vraiment très forts. Vraiment très, très forts. Et donc voilà. Anna, j'invite les gens qui veulent partir au Canada en tant que dentiste à contacter les universités. Il faut les contacter, il faut leur montrer qu'on en veut. Hein. Donc, même quand on est refusé, il faut recontacter, recontacter, recontacter. Alors, à Halifax, à Dalhousie University, ils avaient un programme. Donc, tu venais, je pense, ils faisaient 4 ans de dentisterie, je crois. Après le collège, c'est 4 ans de dentisterie. Alors, ils t'acceptaient en troisième année quand tu es déjà dentiste. Mais il faut que tu fasses le programme de 4 à 6 mois de. Ça d'une part. Et d'autre part, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui passaient l'examen se cassaient la gueule aussi parce que, ou là surtout, encore plus que ceux qui passent l'université, parce que l'examen, c'est un examen particulier. Il se fait sur maquette, il se fait avec des simulations et tout ça, choses pour lesquelles tu n'es pas forcément préparé à l'avance. Et donc, c'est-à-dire que l'examen, il est difficile à appréhender. Et pour les gens qui vont passer les examens quand ils échouent, alors idéalement, il faut être là-bas sur place, au Canada. Je pense même que tu es obligé d'être sur place pour certains examens. Ça coûte très cher. Et le taux d'échec est très élevé. Donc, moi, j'ai un ami indien qui a passé 4 ans à faire, il m'a raconté son histoire, à faire gardien de nuit, à sortir des boîtes Hada, jusqu'à ce qu'il soit accepté, admis à l'examen. Et encore là aussi, quand il a été admis, lui, il n'est pas sorti directement pour exercer. Il a postulé pour un GPR. Donc, GPR, c'est un résident en dentisterie générale. Donc, c'est un an en plus de formation, de stage. C'est comme si tu veux un fellowship, mais pour un dentiste généraliste. Et pour s'imprégner de la culture médicale et dentaire du Canada, autrement, contre le risque de perdre sa licence. Et quand tu perds ta licence, tu m'as que c'est très grave aussi. Hein. Ta réputation est entachée, ton nom sort sur Internet, tout le monde sait que tu as perdu ta licence, et voilà. Ouais.